Today, out of nearly 1 billion people suffering from hunger in the world, 80% live in rural areas. And the current existing instruments are not enough to protect them. Los campesinos y las campesinas son las personas que alimentan nuestro mundo, que mantienen el medio ambiente funcionando bien, y cada día observamos que son víctimas de violaciones, que son impactados por violaciones de sus derechos humanos. Wir steuern mit der momentanen Agrarpolitik in die völlig falsche Richtung. Wir brauchen eine sozial gerechte Landwirtschaft. Wir brauchen sehr, sehr viele kleine Betriebe, die nachhaltig produzieren. Und das ist in der Ernährungssouveränität alles festgeschrieben. Un campesino sin tierra o un campesino sin semillas no es más un campesino. Y por esto necesitamos que esos derechos inherentes a los campesinos sean reconocidos a nivel internacional. Therefore, different actors have come together to draw a unique declaration on the rights of peasant women and men and other people working in rural areas. Aujourd'hui, le Conseil des droits de l'homme a lancé un processus de négociation autour de cette déclaration qui peut être un outil extrêmement important pour que ces répressions et ces discriminations cessent. Tenemos de alguna manera que abrir este proceso a que una mayor cantidad de la sociedad civil sepa de qué se trata. Necesitamos visibilizar. Esta declaración lo que hace es visibilizar. Si l'humanité a subsisté jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à cette débrouillardise et à cette capacité d'invention des agriculteurs. Et par conséquent, ce combat des paysans, paysannes, des personnes travaillant dans les zones rurales pour la préservation de leur mode de vie et de leur capacité à continuer à produire est un combat qui, au fond, doit nous concerner tous. Et je crois que l'opinion publique est aujourd'hui de plus en plus mobilisée, les attentes des ONG comme des mouvements sociaux se font de plus en plus fortes et les gouvernements, à terme, vont devoir entendre cet appel.